Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais manger comme Dua Lipa toute la journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un 24 heures comme ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être très très cool. Surtout que Dua Lipa en ce moment, on parle beaucoup beaucoup d'elle. Donc, c'est le moment parfait. Je viens de me réveiller, il est assez tard. En ce moment, ma morning routine, elle n'existe pas. Avant, je me réveillais à 5h, je me réveillais à 9h. Mais ça me fait du bien parce que je suis très 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 fatiguée. Allons dans la cuisine parce qu'on doit manger des trucs avant de faire du sport. Enfin, c'est bizarre, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle mange pour le petit-déj, notre Dua Lipa? Il faut savoir quand même qu'elle prend son petit-déj avant de faire du sport. Je comprends pas trop, j'ai un peu de mal à faire du sport quand j'ai un truc dans le ventre, donc on va voir comment ça va se passer. Mais écoutez, on respecte ce qu'elle mange, donc on va faire la même chose. Le matin, elle mange 2 œufs brouillés avec une banane et du beurre de... Alors, c'est soit du beurre de cacahuète, soit du beurre d'amande, enfin un beurre de quelque chose. Donc on va se faire ça avec un petit thé. Let's go! Et voilà, les bananes avec le beurre d'amande, les œufs brouillés et j'ai fait un énorme thé. En fait, j'ai acheté cette tasse à Monoprix et elle est vraiment énorme, énorme, énorme. Et vous pouvez encore l'acheter parce que je viens juste de l'acheter là il y a 2 jours. Et en vrai, je trouve ça trop satisfaisant, genre d'avoir une grosse tasse comme ça. Du coup, pour parler un peu de l'alimentation de Dua Lipa, elle essaye de manger quand même assez sainement tout en se faisant hyper plaisir. Elle adore cuisiner, donc aujourd'hui ça sera full cuisine à la maison. Ça c'est rare en vrai, souvent on achète des trucs, on prend à emporter, etc. Donc ça change, sauf qu'il y a quand même des choses un peu spéciales, surtout ce soir. Vous allez voir, c'est trop chelou. On va goûter les bananes avec le beurre. Là c'est du beurre d'amande complète, franchement ça c'est tellement bon. C'est tellement bon. Les bananes dès le matin, ça cale tellement. Plus le beurre d'amande, ça cale. Plus des œufs, des protéines. Mais moi, je pourrais jamais faire de sport après. Hein. Je sais pas si ça se voit. Je suis dans un état de fatigue jamais connu. Donc je pense qu'on va se faire des petits patchs un peu genre comme les célébrités. Je suis trop fatiguée. Je passe dormir cette nuit. Vraiment, c'est trop là. Le petit déj, ça y est, c'est trop. J'ai plus faim. Je vais jamais réussir à faire de sport. Je me suis changée, j'ai pas du tout la foi de faire du sport, je vous jure. Mais bon, je vais quand même me forcer à faire une petite séance. 43 minutes, mais ça c'est pour me tuer. Oh là là, je vous jure, c'est... Vous me voyez même pas. Vu qu'on est une superstar, aujourd'hui, on va faire des masques en tissu pour les yeux et le visage. Alors, masque regard des plus for care et le masque glow shock, non glow shot de chez Herborian. J'ai jamais testé celui-là, je me sens trop bien quand j'en fais, enfin je sais pas, et j'aime trop la sensation de se détendre. J'avoue, j'en fais pas forcément le matin sauf les masques pour les yeux, mais sinon genre le soir avec une petite tisane comme une mamie, j'adore, j'ai l'impression d'avoir ma vie en main. J'espère que ça va me donner bonne mine, hein. Ça c'est censé me donner du glow. J'ai intérêt à me changer la tête. Hein. Je fais pas tout ça pour rien. Le jade de roller, c'est trop bien quand on fait un masque. Ça permet de plus faire circuler le sang. Et en plus, on étale un peu le produit. Je vais aller boire un petit thé. J'ai l'impression d'être une femme accomplie quand j'ai un masque sur le visage. Est-ce que c'est moi? Genre, je suis complètement débile. Ou c'est normal? Dans mon peignoir. Bon, ça y est, ça fait plus de 15 minutes. Ça colle même plus. What? Mais vous voyez comment je suis nacrée? Oh bon, en tout cas, moi je vais me maquiller, j'ai mis en ligne quand même, me préparer, aller travailler et on se retrouve pour le repas de ce midi. J'ai très hâte de manger, j'ai déjà faim, comme d'hab. Je suis de retour, je suis prête, maquillée, habillée. Regardez, je vous montre ma tenue. Un petit blazer noir, un t-shirt blanc, un jean. Alors on a une mission parce qu'en gros Dua Lipa, qu'est-ce qu'elle mange le midi? Une petite salade verte. Mais il y a un truc qu'elle prend avec, c'est un petit jus frais. Je n'ai pas d'extracteur de jus ou de je sais pas quoi, donc on va aller s'acheter dans un café juste à côté un bon petit jus frais pour manger avec notre salade. Ça tombe bien, il fait hyper hyper beau aujourd'hui et ça me rend très très heureuse quand il y a du soleil. On va aller acheter ça et ensuite on va faire notre salade. J'adore les jus, en vrai j'adore ça, donc ça me va. On a notre petit jus, bon 6,50, ça coûte cher d'être Dua Lipa, croyez-moi. On va faire notre salade.
Nous avons du poulet, de la salade, bon en sachet parce que je suis la Dua Lipa du pauvre. Des tomates. J'ai acheté des croutons, j'aime trop les croutons, c'est genre incroyable. Et là c'est des croutons spéciales César, salade César. On va voir ce que ça donne. Et genre là la salade je m'en fous complètement, mais par contre les croutons j'attends que ça. J'ai terminé, il y a plein de soleil, je vais galérer à filmer. Ça a l'air trop bon. Du coup, on a notre salade, nos croutons, j'en ai mis une tonne, j'adore ça, c'est un crouton à la salade, clairement. Et nous avons bien sûr notre green juice. C'est tellement bon. Notre salade, goûtons si c'est bon. J'ai hâte de goûter les croutons, c'est tout ce qui m'intéresse. En revanche, c'est énorme hein, comme salade. Très très bon. Franchement c'est super bon comme salade, c'est tout simple. Hein. Mais c'est vrai que j'ai grave pas ce réflexe de manger ça. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il y avait ananas, kiwi, concombre, menthe, citron. Trop bon. J'ai terminé ma salade, franchement c'était grave bon. Le truc c'est que je dois bientôt goûter parce que je vous expliquerai après. Vous allez comprendre à la fin de cette vidéo, enfin pour le dîner surtout. Mais là je dois bientôt goûter parce qu'elle... Vous allez voir, c'est très bizarre. Donc il y aura genre peut-être une heure d'écart là. Dans une heure je mange mon goûter quoi. Bon c'est l'heure du goûter. Il y a Jérémy qui m'a rejoint bien sûr. Toujours présent quand il faut manger du sucre. Qu'est-ce qu'elle mange du Alibaba, c'est ce qu'elle mange? Non. Elle mange des donuts pour goûter. Ouais. Une vraie américaine. T'as raison. C'est chelou de mettre autant de trous. C'est bon. Moi j'aime trop les beignets. Je suis bien plus beignet que de donuts. Tu me donnes des beignets au chocolat. C'est tout ce que j'aime. Par contre le chocolat à l'intérieur du donut, ça j'adore. Très très bon. Est-ce que je peux avoir mon deuxième donut? C'est trop sucré. C'est bon mais chocolat c'est tellement meilleur. Je comprendrai jamais les trucs genre framboise, pomme. Arrête d'exagérer. Je te jure, je trouve ça beaucoup moins bon. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas eu le temps de mûrir encore. Vas-y, tais-toi, il me saoule. Que tu seras plus âgé, tu comprendras la valeur des choses. T'as vu, c'est trop sucré. Ouais, mais c'est pareil goût framboise, c'est goût sucette à la framboise. Le chocolat il était trop bon. Voilà. Tu comprends mieux pourquoi le chocolat c'est meilleur. Yeah. C'était toi. Rebonjour, on est un petit peu plus tard. Figurez-vous que je vais enfin vous dire le truc chelou du soir. Dua Lipa arrête de manger pour sa journée à 18h. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comment c'est possible? Je pense que c'est un petit peu comme un jeûne intermittent du soir quoi. Moi je me demande, genre avec son métier où elle doit tout le temps bouger, tout le temps avoir des horaires différents, aucune routine, comment elle fait pour arrêter de manger à 18h? Genre elle fait un concert, elle finit à minuit, elle va pas manger. Je trouve ça trop chelou. On va se faire à manger, qu'est-ce qu'elle mange? Et ça c'est pareil, ça m'arrange pas du tout. J'adore bien manger le soir. Là on est sur des petits légumes avec du saumon et de la salade. Les repas s'enchaînent là, genre je fais que manger aujourd'hui, c'est très grave. Attendez là, j'ai peur de me taper la honte. Attendez. Parce que c'est du saumon fumé et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai le droit de le cuire? Il faut que j'appelle ma mère, hein, c'est la seule qui pourra me dire. Ouais, j'ai une question, le saumon fumé, on peut le faire cuire? Oui, si tu fais une quiche avec du saumon fumé. Non, non, c'est pour mettre genre, bah, tu sais c'est un genre un pavé. C'est pour le manger comme du saumon cuit quoi, enfin... Avec des légumes à côté? Effectivement, c'est mieux cru. Ah, ok. Bah, merci. Écoutez, on va se faire des petits sashimi, d'accord? Voilà, nous avons notre petit saumon, nos légumes, donc champignons, oignons, courgettes et un petit peu de salade, histoire de dire. En vrai, heureusement qu'il y a le saumon parce que sinon, ça m'aurait pas emballé comme repas.
Trop bon. Trop bon. Nos petites courgettes. En ce moment, je me force à manger genre des oignons, des échalotes, des trucs comme ça. Parce que genre, je déteste le goût que ça ait dans la bouche. Je peux pas supporter. Genre, j'ai l'impression de pas être propre. Enfin, c'est un blocage. Et donc, du coup, j'en mange jamais. Genre, dès que je vais quelque part, je demande sans oignons, sans ail, sans tout ça. Et c'est tellement important d'en manger que du coup, quand j'ai rien de prévu, si j'ai c'est un moment où j'ai pas trop de vie sociale, je peux me le permettre. Mais sinon, je le fais pas. En vrai, c'est hyper bon. J'ai jugé trop vite. J'ai mangé tout mon repas, c'était franchement trop trop bon. Et là j'avoue, si je m'écoutais, je mangerais plus rien. Mais comme je ne dois pas m'écouter et je dois écouter Dua Lipa, on va manger notre dessert, si on peut appeler ça un dessert. En tout cas, il y a une sucrerie qu'elle mange en règle générale le soir, qu'elle aime bien. Tadam ! Des bonbons ! Franchement, j'aurais bien mangé ça genre beaucoup plus tard dans mon lit, devant une série ou je sais pas quoi. Mais le timing, hein, faut arrêter de manger tôt, donc pas le choix, je suis obligée. En vrai, je mange jamais de bonbons, ça c'est vraiment un truc. Genre je ne mange jamais de bonbons. Je suis pas une grande fan de bonbons, mais par contre si j'en ai je peux plus m'arrêter. Enfin voilà, ce qui n'a d'ailleurs du coup aucun sens. Mais moi j'aime trop tous les trucs qui piquent. Donc let's go hein. Ça y est, ça brûle le palais. Ça veut dire que c'est l'heure d'arrêter. Je suis dans mon lit, démaquillée, prête à faire, regardez, mon gua sha. Je l'ai toujours avec moi dans mon lit. En ce moment, c'est vraiment ma petite routine, ma grosse tisane avec mon gua sha, mon ordinateur et Euphoria, vu que je suis toujours à la saison 1, 10 ans de retard. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, je suis quand même très contente de cette journée. J'ai bien mangé et... au final, je n'ai pas faim. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche d'ailleurs. Quand cette vidéo sort, je serai dans l'avion pour une nouvelle destination. Et qui dit nouvelle destination, dit nouveau vlog voyage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer le petit pour pas louper. Et du coup, allez checker mon Instagram. Et le lien est en barre d'infos, comme d'hab. Je vais vous poster un maximum de trucs. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. N'hésitez pas aussi à me dire quelle prochaine célébrité vous voulez que je fasse. C'est avec grand plaisir que je lirai tout vos commentaires comme d'habitude de toute manière, et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.